Coucou. Vendredi bien entamé, il est midi. J'en ai profité parce que il fallait que je finalise quelques petites choses en vidéo. J'ai fait un shampoing, même si on dirait pas. Je crois qu'il faut que j'arrête. Je mets un produit. En plus c'est un Kérastase, c'est bien pour justement quand tu lisses tes cheveux et que tu utilises des plaques. Mais j'ai l'impression que ça me les alourdit ou ça les graisse vite. Parce que là, ils viennent juste d'être lavés, quoi. Bon, ils sont toujours plus jolis le lendemain. Je vais tourner une vidéo, une IGTV. Je n'en ai encore jamais fait. Et comme c'est un sujet un peu particulier, je n'en parlerai pas ici. Ensuite, j'ai pas rangé mon bazar. Mon bazar où j'ai fait la vidéo déco-action, il y en a partout. Donc ça va me prendre du temps aussi. Ça va être pas mal de rangements. Et puis, je sais que j'avais autre chose. Ah bah oui, les fenêtres. Avec les choses là auto-statiques à mettre. On en a déjà mis un modèle dans la partie cuisine. On adore. On est très content. Et on va se débarrasser du coup des petits voilages qui faisaient un peu vieillot, qui n'étaient pas terribles. On a fait des tests, donc c'est cool, on ne voit plus. Et comme on a choisi un autre motif pour le salon, pour un petit peu délimiter, on a hâte de faire ça, mais Eric est parti là. Oh, il est parti manger en ville. Moi, j'ai dit non parce que j'avais du boulot. J'avais vraiment pas le temps. Donc voilà. Je viens de terminer mon IGTV, mais je crois que je l'ai pas mis sur le bon support. Je sais pas faire, j'en ai jamais fait. Bon, ce midi, c'est quenelle avec des petites olives et puis du quinoa. Voilà. Avant de monter, je vous montre la partie cuisine, là où on a mis les autos statiques. Ce que ça fait, moi j'aime beaucoup, enfin on aime beaucoup. Ça rend pas du tout. Vous allez pas vous rendre compte, je crois. Si je me mets comme ceci. Vous voyez, on distingue un peu les carrés. Donc il n'y a plus de les rideaux, hein. Je vous montre de plus près quand même que vous vous rendiez compte. Et ça, je trouvais que dans la partie cuisine, des petits carrés, ça rendait plutôt pas mal. Et de casser, comme je vous dis. Ici, ça sera des tout tout. Alors le truc, c'est que mon Jackie, le pauvre Jackie qui adore être là et regarder les feuilles qui bougent, les petits oiseaux. Bah ouais. Mais bon, on n'a pas trop le choix. Hein. On va faire ça. Il y a du boulot parce qu'il y a 8 choses comme ça à découper. Et le problème, c'est que nos fenêtres, c'est vraiment une ancienne maison. Elles sont pas du tout de la même mesure. Ça part comme ça. Bon, bref. Et voyez le motif? C'est des rayures comme ça. Et je vous remontre mieux parce que la dernière fois que je vous l'ai montré, il faisait à moitié nuit et je ne l'avais pas déroulé. Ça, ce sera dans la partie bureau. Alors, bien évidemment, pas ici. Hein, c'est trop sombre. Mais ça peut le faire. Donc, pareil, je vous montrerai pas sûr que celui-ci, on le mette aujourd'hui. Ça, je ne sais pas. Je vais me faire un deuxième café, ce qui est assez rare. Mais ça va, il n'est pas 2 heures, donc j'évite à partir de passer 2 heures. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et je monte ranger tout mon bazar et puis finaliser la vidéo que vous aurez vu vous hier. D'ailleurs, concernant cette vidéo déco, je suis pas hyper satisfaite, mais c'est pas grave, c'est vraiment un test. Et je vais m'améliorer, ça m'a donné d'autres idées, d'autres façons de faire avec de la déco un petit peu plus poussée. Un petit café. Ça, c'est pas pour moi, c'est à Eric. Il est allé se faire couper les cheveux, d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et il a pris sa petite crème. J'ai cru que c'était pour les cheveux, non? C'est une crème faciale. Et ça, je l'ai mis, montré ou pas? On l'a eu aussi à Brico. Très très pratique pour humidifier toutes les vitres avant de poser ça. Très important d'ailleurs, si jamais ça vous intéresse. On l'a posé une première fois sans humidifier parce qu'on nous avait dit de ne pas humidifier. Et puis ça faisait des auréoles, des cloques, bref. Il faut vraiment pas hésiter à mettre de l'eau si vous voulez poser ça. Ah, le petit café qui va faire du bien. Voilà pourquoi je vous dis que il faut que je me mette à tout ranger. Je suis en train de ranger. Voilà, et Jack, il est en pleine conversation avec un pote qui doit se trouver sur le toit. Enfin, il y est. Ça, c'est quand il est frustré qu'il a envie de choper l'oiseau. En même temps, les oiseaux, ils te provoquent, mon bébé, ça. Mais oui, ça s'agace, hein? Oui, ça s'agace. J'ai déblayé, hein, le plus gros. L'autre partie, c'est pas encore. Enfin, l'autre pièce, c'est pas encore vraiment ça. Mais au moins, ici, c'est fait. Je vais descendre, du coup, pour faire la découpe. Eric est rentré. Vous savez ce qu'il a fait? Ah oui, il dit, j'ai bien mangé. Il est rentré à 3 h, donc ils ont dû rester à table jusqu'à 3 h. Et il s'est allongé pour sa sieste, le truc à pas faire. Donc là, on l'a perdu, je pense que pas avant 6-7 heures. On devait faire la découpe ensemble. Je vais le faire sans lui. Je suis vraiment fan. Vous n'allez pas trop vous en rendre compte, mais bon, quand tu vis ici tout le temps,
Tu vois vraiment la différence. Alors, comme je disais, ça risque d'être un peu pénible. Donc j'en ai fait un déjà. Ça va me servir de patron. Mais est-ce que je fais un copier-coller? C'est pour ça que j'aimerais qu'il soit avec moi. Parce qu'une fois que c'est coupé, vous savez combien ça coûte? Ça coûte 15 euros. Donc il y en a 15 euros et j'ai 4 mètres. Mais 15 euros parce que c'est très grand. Celui-ci, 17 euros le mètre. Donc quand je dis 15, hein, c'est le mètre. 17 euros le mètre. Et les petits carreaux qui sont là, c'était 7 euros le mètre. Voilà. Ça, c'est vraiment indispensable pour maroufler, pour enlever les petites bulles. On s'en est rendu compte hier. Je vais être obligée de faire un par un. Alors, je voulais faire des copier-coller, ça va pas. Quand je les superpose, c'est même pas droit. On a dit 44 et combien j'avais noté? 55,5. Je sens que ça va me prendre un temps fou, ça. Et de deux, ça me décoiffe hein, de faire ça. J'en suis qu'à 2, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 pour là, et 4 autres, donc 10 encore. Mais là-bas, ce sera son bureau, je pense que, enfin, c'est pas qu'il le fera lui, mais on le fera plus tard. Oh là là, fais quelque chose. Je vous retrouve le lendemain, samedi. Pourquoi j'ai pas continué à vloguer hier? Tout simplement parce que sur les coups de 18h, un truc comme ça, j'ai été prise de chaud, froid, et j'ai fait une poussée de fièvre. Mais le truc, comme ça. Poussée de fièvre, mais il n'y a pas eu que ça. J'ai commencé à avoir, vous savez, la peau qui était toute sensible, le visage comme si j'avais eu un coup de soleil, les mains pareil, comme si j'avais des petits boutons qui sortaient, une irritée, voilà. Comme si, voilà, toute ma peau était irritée et partout là, plus la fièvre, donc autant dire... J'ai commencé un petit peu à flipper et ça ne m'a pas lâché jusqu'à bah même maintenant. C'est beaucoup, beaucoup moins. La fièvre est tombée. Par contre, cette sensation est toujours là. Et j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce délire? J'ai jamais eu... Si, la dernière fois que j'ai eu ça, bon, c'était pire. C'est quand j'avais chopé la dengue. Mais la dengue hémorragique. Donc j'avais un râle comme ça, tout rouge. Ça faisait comme des fourmis. C'était... Enfin bref... mes plaquettes, elles avaient diminué de moitié, mais je ne sais pas ce que j'ai du tout. C'est cette sensation comme si j'avais pris un coup de soleil. Vous ne le verrez pas parce que je me suis maquillée. Et ma peau est hyper sensible. Voilà, donc j'ai pris ma température pour contrôler. Ça va, ça va. Voilà les petites nouvelles. Sinon, du coup, ma vidéo où je, on va dire, j'utilise des objets déco pour en faire qu'un, je transforme, je customise DIY... Et eh bien, ça fait super plaisir. Vous avez beaucoup apprécié. Ce qui veut dire que je vais en refaire. Je vais en refaire des beaucoup, beaucoup mieux. Et éventuellement, parce que je ne peux pas tout le temps des objets qui viennent d'Action, je pourrais faire de plein d'enseignes. Aïe. Ça peut être de chez Jiffy, ça peut être bon, partout. Voilà, partout. Peut-être pas Maison du Monde, parce que c'est quand même cher. Et puis, customiser des trucs. Voilà, vaut mieux faire dans des enseignes qui ne sont pas chères. C'est vrai qu'Action, c'est franchement l'idéal. Je vous dis pas que je ferai ça toutes les semaines, mais déjà si j'arrive à en faire une fois par mois, voire deux fois par mois, ça serait pas mal. Pour aujourd'hui, je me suis pas projetée parce que déjà hier, je me suis dit, oh, on va voir déjà comment ça évolue, dans quel état tu vas être. Il faut que je monte le vlog, donc de la journée d'hier, ce petit bout là également, et que je m'avance parce qu'on est bientôt en mars et j'ai deux box de février, Line Box et... Putain, c'est pas cool. Et la box évidence a tourné. J'ai pris du retard. Ce vlog donc aurait été court. Mais comme je vous dis, il y a quand même eu un petit contenu. Je voulais pas couper comme ça là hier. Vous auriez absolument rien compris. Je vous tiendrai au courant. Vous voyez, ça me gratte. Ça me gratte. C'est comme si, voilà, je pense. Dr. Quinn sort de ce corps. C'est comme si c'était le sang. Vous voyez? C'est le sang en fait qui réagissait. Je vais vous faire un gros bisou et puis on se retrouve soit demain, soit après-demain. De toute façon, suivez-moi sur Instagram, j'essaierai de donner des petites nouvelles. Je vous fais un gros bisou.